boire ensuite. Bonjour, M. Clapp. Donc, en direct, on est sur la rue Jacques-Cartier, puis c'est spécialement pour l'ensemble de la pointe aux jeunes. La pointe aux jeunes, oui. Pour la pointe aux jeunes. OK. Donc, on va filmer. Donc, c'est la pointe aux jeunes. On va faire en sorte de ne pas se rentrer dedans. Donc, on filme les intervenants, les gens qui sont là pour faire une levée de fonds sur la rue Jacques-Cartier. Il n'y a pas de trouble s'ils passent, ils ne font pas rentrer dedans. Vous êtes correct? Ouais, c'est beau. Donc, vous me laissez expliquer. Donc, vous faites une levée de fonds, puis ça sert. Moi, vous laissez parler. Qui veut parler? En fait, c'est pour éviter que les jeunes se retrouvent à la rue. OK. Qu'ils fassent des mauvais coups, qu'ils deviennent itinérants. On leur fait toutes sortes d'activités. Ils peuvent venir après l'école. En fait, c'est ça. C'est situé où, ça, cet endroit-là? C'est l'ancien poste de police à Pointe-Gatineau. Ah, juste pas loin d'ici, là? Oui. OK, vous faites toutes sortes d'activités? Oui. OK, vous organisez les activités. Fait que, OK, M. Clapp Fondation m'a vous offrir, m'a vous donner une carte, m'a prendre deux minutes après ça, vous donner une carte. Puis quand vous avez des levées de fonds à faire de même, là, m'a offert des directs sur Facebook. Moi, j'ai 4500 personnes sur mon fil, sur Facebook. Okay. Après ça, je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur Google, je vais le mettre un peu partout. Okay. Donc, puis en ayant un lien de chez vous, OK, m'a vous donnerez un lien, m'a vous donner le lien sur Facebook, vous allez pouvoir suivre ça, les suivre partout où ça va. Donc, toutes les actions que vous allez faire comme ça, m'a le faire. Ça, je le fais gratuitement. Les affaires des associations de même, les gens, là, normalement, je le fais pour d'autres personnes ou des entreprises, je demande qu'ils donnent un don à la Fondation, parce que moi, je fais des causes sociales de même pour faire connaître les gens. Okay. Comme tantôt, j'étais chercher un sans-abri là-bas, c'est ça que je te disais tantôt. Puis on avait eu un don de 25 $, OK, de l'abus du marché, des fruits et légumes. Puis là, je l'ai cherché, il a pris 25 $ là-bas, t'es content. Il a arrêté... Il a arrêté voir, c'est Yannick, il a arrêté voir son ex avec son petit garçon. Il était partagé la moitié des fruits et légumes avec... Là, il va partager avec les autres sans-abri là-bas. Il m'occupe beaucoup des sans-abri avec itinérance zéro. Ils font aussi la levée de fonds. Ben, c'est ça. Fait que là, je m'en vais distribuer des repas. Là. Ah oui, ben, c'est ça. Mais là, moi, parce que normalement, les dons, moi, j'en garde la moitié. Puis, il y en a une partie que, après ça, ça coûte moins cher que les personnes pour le racheter, le don, le certificat, des choses de même. Mais là, il a décidé de donner le don complet que moi, j'avais reçu pour la fondation. Le partage, les données au complet, puis ça s'est rendu service. Chantal et moi, ce soir, on s'en va faire la distribution de repas dans le vieux hall. Là. Dans le vieux hall? Dans quel coin vous allez être? On part de l'aréna. Ouais. Puis ensuite, on fait dans tout le vieux hall. Là. Charlevoix, Garneau, Aidé. Gars, m'a vous donné une carte tantôt. Puis dans le courant de la soirée, quand vous serez quelque part dans une des rues, quelque part. Attendez-vous qu'à l'hôtel Non, monsieur! On ramasse des dons dans la maison. Laissez une carte. Puis à un moment donné, quand vous serez dans le bout, à quelque part, appelez-moi dans le courant de la soirée, quelque part, puis j'irai vous rejoindre. Okay, puis on commence à l'aréna, à 1h30. Puis on finit sur Morin, où il y a une maison bleue, puis les étamines. Morin en boycott, là? Oui. Morin en hall. OK, oui. OK. On finit là. À 8h30 à peu près. 8h30, OK. Fait que, mettons vers les 8h, là. Vers les 8h, quelque chose de même, appelez-moi. Vous donnez la carte, tu m'appelleras. Puis là, j'irai vous filmer pendant que vous faites une action. OK. C'est bien cette carte-là? Ah oui, c'est vrai, je l'ai donné tantôt. Oui. OK. OK, bien, j'irai à ça, puis je filmerai votre action. Donc, l'action que vous faites, c'est autre genre d'action que vous faites en plus. Ouais. Puis moi, des actions de même, là, c'est... C'est entre 8h et 8h30 qu'on va être au jet à vie. OK. OK. Et là, bien, les gens viennent, la maison, ce qu'on appelle la maison bleue. Là, OK. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis là, on va leur distribuer des repas. Le jet à vie, la même chose. Il y en a beaucoup des itinérants en arrière, là, qui ne peuvent pas aller au jet à vie. Des fois, c'est des situations de... Situation difficile, là, précaire. Oui, situation difficile, puis il y en a qui sont violents, il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Puis là, ben, sont exclus. De toute façon, au jet à vie, tu as droit à 15 jours par mois. Okay. Fait que l'autre 15 jours, là... Tu fais quoi? C'est ça, hein? Il y en a qui réussissent à se placer en Ontario. Il y en a qui sont pris. Fait que là, ça vit dans des tentes. Ça vit un peu partout. Ouais. Là, ben, ils savent qu'on va là comme 3 fois par semaine. Lundi, jeudi, samedi. Okay. Fait qu'ils viennent nous rencontrer. On leur distribue des repas. Il y a des gens aussi qui sont dans le besoin. Le gars qui vient juste de se trouver une job, ben... Il n'y a pas eu moyen de... Pas trop gros? OK. Là, on va commencer la collecte. Ouais. Les bas,
les salles de couchage, les couvertures, ces choses-là. Mais de temps en temps, quand vous aurez des activités de même, appelez Fondation M. Clapp. OK? Puis moi, de temps en temps, j'irai vous filmer sur des actions. Puis moi, je le mets sur YouTube, je le mets sur Google, je le mets sur Facebook, je le mets un peu partout pour faire savoir. Puis là, vous donnez vos numéros de téléphone, donnez votre adresse, les affaires. Oh, puis une autre activité, vous nommez les activités qui sont les gens. Okay. Pas ça? Il y a des gens dans le coin qui sont partout, qui ont de bouche à oreille. Ben, vieux hall, c'est lundi, jeudi, samedi. OK, bon, on va leur filmer ça. lundi, jeudi, samedi, okay. C'est de 6h30 à 8h30 à peu près. Puis le mercredi, c'est au marché Notre-Dame. Ouais, ça, j'ai déjà vu un soir là-bas. Ouais, c'est ça, mercredi. Ah, ben mercredi, on va se voir là-bas. Le mercredi, on est toujours ça va, là. Okay. Ça commence au 7h à peu près. J'ai déjà vu là, juste devant le marché, la chose. Oh, là. Ouais, oui, j'ai vu. Ça. Ouais. Là, quasiment jusqu'à l'église. Là, je parle avec qui? Là, je parle, on parle. Avec Chantal. Chantal, oui. Puis Carole. Carole, OK. Carole, moi, on me connaît sous le nom de Carole Teddy Bear Beauchamp. Ouais, OK. Moi, c'est Guy Youssef Ayancourt, M. Clapp. OK. Donc, c'est M. Clapp. Donc, Clapp, la fondation. Donc, hop, attends un petit peu. OK, ouais. Un gros merci. Un gros plaisir. Fait qu'on va se revoir. Fait que dans le courant de la soirée, appelez-moi quelque part, puis on va aller faire un petit tour, on va aller filmer ça, puis mercredi prochain, on va se pogner sur la rue Notre-Dame. Parfait. OK? Fait que bonne action, bel job. Merci. Merci. Salut. Salut. Bye bye. OK. Hop, là, OK, non, bien sûr. Eh bien, et voilà, les amis. Monsieur Clapp, Fondation sociale. On vient de rencontrer des intervenants au niveau qui faisaient une levée de fonds sur la rue Jacques-Cartier ici à Gatineau, puis qui est pour aider les jeunes. Donc, c'est à haut lieu que les jeunes se ramassent dans la rue ou des choses comme ça. Donc, OK. Ah, on va essayer. Ah, c'est ça. Au lieu que les enfants, les jeunes se ramassent dans la rue, mais les autres, ils font des levées de fonds pour ramasser les sous, pour organiser des activités, pour pas que les jeunes ils tombent dans des mauvais coups, etc. Pour les tenir occupés, puis leur donner une chance, peut-être leur donner une direction dans les activités qu'ils aimeraient, puis ça donne un coup de main dans vie. Donc, encore une fois, là, je dois dire un beau bonjour à Sébastien. Là, je suis tout à l'heure, je voulais pas couper, puis couper pendant que je parlais. Bien, bonjour Sébastien, bonjour Henri, bonjour André, bonjour Diane, bonjour Brigitte, bonjour Gaétan. Bonjour Gaétan, oui, bonjour Gaétan. Bonjour Gaétan, Bécard, oui, Gaétan. OK, bonjour Bill, bonjour Alexandre, bonjour Fernand. Bonjour Isa, Isa de Montréal. Bonjour. Bonjour Isa, allô. Bonjour Frédéric. Bonjour Régis, Gosselin, oui. Bonjour Isa, encore. Bonjour Jean-Marc. Donc, un bon bonjour à tout le monde. Puis, bonjour Selena. Je vous dis un beau bonjour à tout le monde. Je vous aime. Que vous soyez n'importe où, en autant que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous faites des choses qui soient positives, vous ayez un esprit positif et constructif. Bonjour, Gaétan. Vous tentez de partager et de donner un peu de vous-même quand c'est possible de le faire. Parce que la première chose à faire dans la vie, c'est prendre soin de toi avant tout. Sois reconnaissant envers toi-même. En prenant soin de toi, tu es reconnaissant envers toi-même. Puis après ça, quand tu as de la belle énergie, tu fais le bien, mais là, tu peux en donner comme tu peux aux autres autour de toi. Aimer davantage, partager davantage. Moi, j'essaie de le faire. J'aime ça aider les gens. J'aime ça intervenir. Puis, si je peux intervenir, puis le faire, tant mieux. Puis j'essaie de faire des gestes qui m'en reste pas long, hein. Moi, dans mon titre, m'en reste pas long. Puis vous autres aussi, il y en a bien des autres qui en restent pas bien long. Fait que donc, je commence pas à matin parce que je sais qu'il me reste pas bien long. Mais ça fait des années que je suis comme ça. C'est dans ma nature d'être de même. J'étais un éternel optimiste, un grand rêveur. Il y a bien des choses que j'ai pas réalisées. C'est pas parce que je voulais pas les réaliser, parce que ça fait partie de la vie, hein. Dans la vie, on est sur Terre, puis sur Terre, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. C'est les moyens que tu as, en autant que tu es heureux dans ce que tu fais. Okay? J'aime mieux avoir 50 projets, d'en réaliser 3 ou 4, que d'en avoir 0 ou d'en avoir 1, puis ça marche pas. C'est dans ma nature. Donc, je vous aime. OK? Vous soyez n'importe où, soyez où vous soyez. Vous êtes le numéro 1 dans la vie. Commence par prendre soin de toi. Sois heureux. Tu es la personne la plus importante dans la vie, c'est toi, toi, toi. Ne laisse aucun négatif pénétrer à l'intérieur de toi. Ne laisse pas de négatif dans ton environnement qui bouffe le peu d'énergie que tu as. Les hypocrites, les menteurs, tout ce qui est en relation avec ça, là, les violeurs, les agresseurs, sors ça de ta vie, tiens ça loin de toi. C'est bien d'avoir une personne peut-être autour de toi, ou deux ou trois, mais des personnes qui peuvent te fier dessus, que d'être mal entouré. OK? Donc, okay, je vais me tasser, il faut que j'y aille. Bonjour, OK, fait que David, je te laisse là-dessus, tout le monde je vous aime, parce que là, dans un stationnement, je devrais pas être, il fait ça vite fait. Hein? Oh là là, M. Clapp, top, top, top. OK, ben je vous aime. Take care. Attention à vous autres. Bossez un bon week-end, puis au plaisir de se reparler. Salut les amis. À plus tard. Bye bye.
Ah. Retour à la voiture. OK. Donc, attention à vous autres, passez une bonne journée. Puis, je vous laisse ces belles images vite faites de la rivière Gatineau. OK. À bientôt.